que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, une journée avec moi, un mini vlog avec moi. On va parler un petit peu de mon organisation aujourd'hui. Pas de folie dans ce vlog, c'est vraiment un vlog en mode quasi à la maison. Je me suis fait opérer maintenant il y a 10 jours. Oui. 10 jours, je me suis fait opérer des jambes. Du coup, je suis en arrêt maladie, évidemment. Je reste à la maison les 3/4 du temps, mais j'ai le droit de sortir. Dans mon arrêt maladie, c'est autorisé. Donc, je suis allée un tout petit peu à la mer, j'ai un petit peu marché. J'ai pas envie de m'étaler sur cette opération des jambes, hein. Y a rien de grave, tout va bien, mais j'étais obligée de la faire avant l'été puisque ce n'était pas possible pendant l'été. Et du coup, bah ça s'est avéré être maintenant, et écoutez, c'est bien. Il fallait que je prenne un peu soin de moi, que je prenne un peu soin de ma santé, et du coup, bah c'était nécessaire. Ça m'embête un peu pour mes élèves, parce que bah vous savez, quand on a une certaine conscience professionnelle, on a envie de faire notre max, mais j'ai quand même plein de projets avec eux. Je vous montrerai d'ailleurs un des projets qui attend en bas patiemment le retour à l'école. Pour la fête des mères, et on a aussi des idées avec Angelvine, mon AED, pour la fête des pères. Donc on va mettre ça vite en place pour pouvoir finaliser très très vite, parce que dans mon école on fait la fête des pères et la fête des mères, alors que je sais que dans d'autres écoles c'est la fête des familles, etc., ou la fête des proches. Dans mon ancienne école c'était aussi le cas, mais pas dans celle-ci, donc je m'adapte. Donc dans cette journée, j'ai un rendez-vous médical à midi. Mon mari qui est en télétravail m'emmènera, c'est à Lille. Et cet après-midi, j'ai envie de trier. En ce moment, mon mood, c'est trier. Donc j'ai mis des choses en vente sur Vinted qui étaient des jouets pour enfants que j'avais déjà trié, des jeux de société, tout ça. J'avais déjà trié avant, mais j'avais pas fait, mis les photos, les annonces et tout. Donc ça, j'ai fait ça ce week-end, dimanche. Là, je suis en mode, je vais vous montrer après mon rangement de maquillage dans ma salle de bain, parce que dans ma salle de bain, je fais une rotation de maquillage. Et là, je suis en mode rotation, hein, je trie, je mets de côté donc ce qui ne m'a pas plu et je mets des nouvelles choses à tester. Même si vraiment, je trouve que ce mois-ci, j'ai été hyper raisonnable. Je vous remets mon petit haul avec d'ailleurs une surprise à l'intérieur, un concours. Et je pense qu'aujourd'hui, on en va d'ailleurs ensemble sélectionner la gagnante ou le gagnant, comme ça je pourrais préparer son colis et lui envoyer, et peut-être vous en faire un autre ici dans cette vidéo, parce que j'aime bien faire des concours comme ça, surprise un peu cachée, histoire de gâter les plus fidèles, les abonnés, les noms d'abonnés que je reconnais, parce que vous êtes nombreuses ou nombreux à me laisser toujours des petits commentaires et ça me fait super plaisir. Donc bah, j'ai envie aussi de vous remercier. Et pour des projets futurs, il est important que je trie cette maison, que je fasse un peu du vide. Évidemment, tous ces projets, je vous en parlerai en temps voulu. Mais déjà, il y en a un que vous savez, c'est que j'ai demandé à partir de mon école. C'est la révélation pour moi cette année, vraiment. Vous savez que c'était compliqué, mais j'ai envie de partir de cette école. Et même si vraiment j'adore ma ville, j'adore les enfants, mes élèves, j'adore les parents de cette ville. Vraiment, je suis tombée dans une école de folie quand je suis arrivée ici. Et je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu dans cette école. Mais j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de changements. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie moi-même de nouvelles ondes, et du coup j'espère vraiment partir de cette école. Après, si je pars pas, bah on verra comment ça se goupille, mais j'ai hâte d'être au mois de juin pour avoir les résultats du mouvement, pour savoir si je pourrais aller vers d'autres horizons. Et ça, je vous en parlerai évidemment au mois de juin. Donc, restez connectés, hein, surtout. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez savoir un peu la suite. C'est rare que je fasse des vidéos comme ça, un peu vlog sur une journée, un peu confidence, on va dire. Même si je fais régulièrement des vlogs. Parfois, je vous partage des voyages, des petites excursions, ou quand je partageais ma classe. Mais pour l'instant, ce ne sera plus le cas, je vous l'avais dit, mais j'espère que ça reviendra. Je sais qu'il y en a qui sont très très déçus pour ça, et j'en suis désolée. Mais aujourd'hui, on va parler aussi Cricut, création, et je vous montrerai aussi la création que j'ai prévue pour la fête des mamans, pour ma classe. Comme ça, vous aurez déjà des petits aperçus. Sur ce, je vais continuer mes rangements. Et je vous montre comment ça se passe, hein, pour ma fameuse rotation make-up. Donc sur mon lit, j'étale tout mon bazar, hein, comme vous pouvez voir. Et ça, c'est ce qu'il y a dans ma salle de bain. Donc je trie, je change. Là, j'ai mis de côté ce que je ne veux plus. Ce que je vais sûrement vendre. Je ne sais pas si ça va être sur Vinted ou quoi. Parce qu'en ce moment, Vinted, c'est compliqué pour le maquillage.
Mais en tout cas, voilà, je fais mon petit tri, je remets des nouvelles choses. Donc là, j'avais apporté des nouvelles choses à tester. Donc ça, je vais les glisser là-dedans. Évidemment, pas tout, hein. Et là, il y a des choses que j'ai déjà bien testées que je vais enlever. Alors, soit je les garde, je les remets dans mes stocks, soit... évidemment, je les vends parce que vraiment, ça ne me peut pas. Je voulais vous parler dans la salle de bain, mais vraiment, la lumière est bof. Je voulais aussi vous faire un petit retour. J'avais acheté chez Action ces deux produits-là pour les cheveux bouclés. Et je n'avais pas été convaincue par ce produit-là, celui-ci qui est le lait définisseur de boucles. Mais je ne l'avais pas utilisé avec le deuxième produit, qui est celui en spray. Et là, j'ai fait le combo des deux. Et je vous avoue que j'aime bien. Donc ça, si je le retrouve, je le rachèterai parce que je trouve que le spray, il est hyper pratique. Voilà, ce matin, j'ai mouillé un petit peu mes cheveux avec de l'eau, un spray avec de l'eau. Et j'ai mis ce petit spray, c'est du lait, hein, je pense, hydratation, spray hydratant. Et je trouve que le duo, il est pas mal. Et j'ai remis une petite noisette, mais vraiment une petite noisette du définisseur de boucles. Écoutez, je trouve que le résultat est pas trop mal. Hier, mes boucles étaient pas mal aussi. Donc... je pense que ça s'utilise en duo. La première fois, j'avais utilisé que ça et c'était pas assez hydratant pour moi. Là, le duo marche bien. Donc, je suis super contente. Je vous en reparlerai encore dans mes flops ou dans quand j'aurai terminé les produits sur Instagram. Vraiment, retrouvez-moi sur Instagram pour voir un petit peu le bilan des produits parce que c'est là-bas que je fais la finalité. Quand vraiment j'ai terminé les produits, je mets voilà si vraiment je rachète ou pas. Et cela pour l'instant... j'étais pas convaincue et finalement en trouvant un autre duo, enfin en associant bien les choses, ça fonctionne. Donc j'aurais possiblement, j'irai les racheter, surtout le spray, je trouve pratique le côté spray pour mouiller ses boucles, les remettre un peu d'aplomb. Donc là je viens juste de le faire, hein. Elles sont encore mouillées mais quand elles vont sécher, elles vont évidemment remonter et elles vont être beaucoup plus définies. Hier soir j'avais vraiment des cheveux super bien bouclés, des très jolies boucles. Et voilà, j'étais assez épatée, donc je voulais vous donner l'info ici. Si vous passez chez Action, si vous avez des enfants avec des bouclettes ou des ados avec des bouclettes et que vous voulez pas utiliser des produits qui coûtent 20 balles, ça peut être la solution parce que ça coûte 2 ou 3 euros. Avec chérie, comme vous l'avez vu, on est en train de déguster une hit salade, les fameuses salades comme ça, un peu le Subway de la salade, sauf que, alors vous pouvez choisir votre base, donc de la salade avec des pâtes ou avec du riz, avec du quinoa, des choses comme ça. Après vous pouvez choisir vos ingrédients, vous avez entre 3 et 6 ingrédients, mais plus vous prenez d'ingrédients, plus c'est cher, et ça j'ai trouvé que c'était abusé parce que on ne pouvait pas du coup mettre ce qu'on voulait dedans exactement sans avoir à payer jusqu'à 13,50€. Sachant que moi j'ai pris 4 ingrédients dans ma salade. Donc j'ai pris ananas, feta, des petits haricots et du poulet. Avec la salade et la base en fait qui compte pas. Mais une bouteille d'eau cristalline citron d'ailleurs qui est très très bonne. Hein, c'est citronade. Et bien j'en ai eu pour 11,50€ je crois. Je trouve ça super cher. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça super cher. Pour une salade, donc mon mari est la même chose hein, évidemment, mais pour une salade quoi, chez Subway, le sandwich, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, vous en avez pour 8€ je pense, donc bon, ça reste pas donné quand même pour manger équilibré, mais ma foi la salade est très bonne, hein. Je dois l'admettre qu'avec l'ananas et tout, c'est très très bon, et les portions sont quand même plutôt généreuses, donc bon, on va pas cracher dessus, mais voilà. Genre, je voyais passer pas mal de fois sur YouTube et tout, Eat Salad, et je me disais, bah, j'avais jamais testé. Donc là, c'était en face de mon rendez-vous. J'avais rendez-vous pour récupérer, en fait, des bouchons d'oreilles. Vous le savez, si vous me suivez dans les vlogs, etc., depuis quelques années, j'ai des appareillages au niveau de mes oreilles que je mets, quand surtout je vais à l'école. Donc, c'est des...
comme des AirPods en version noire. Et j'avais envie de bouchons d'oreilles pour cet été, puisque cet été je pars au Canada et que bah, possiblement on va aller dans la piscine, etc. Donc je voulais des bouchons d'oreilles comme mon fils. Mon fils il en a fait parce qu'il avait des drains, il s'est fait opérer des oreilles. Et j'ai vu qu'ils étaient pas mal, donc j'ai commandé des bouchons d'oreilles. Ça m'a coûté quand même 90€. Je ne crois pas que ce soit remboursé puisque c'est un truc en plus qui n'est pas obligatoire. Mais moi je dois pas mettre d'oreilles. Je dois pas mettre d'eau dans mes oreilles. Et du coup bah, je préférais avoir des trucs un peu sympas. Et j'ai vu que ceux de mon fils étaient cool et vraiment très efficaces. Donc j'ai acheté pour moi. Donc ça c'était pour mon rendez-vous. Au niveau de ma jambe, j'ai marché un petit peu parce qu'il faut que je marche un petit peu tous les jours. Mais là je pense que c'est bon. Je vais aller la mettre en hauteur un petit peu, la mettre dans le canapé, surélevée pour que ça circule bien et que ça me fasse du bien, parce que ça me tire un petit peu. J'ai eu quand même autour de 26 points, une vingtaine de points à plusieurs endroits sur ma jambe. Je vais devoir faire la même chose le mois prochain. Et ma foi, voilà, le mois prochain, mais de l'autre côté. Pourquoi j'ai fait cette opération? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question sur Instagram. C'était pas vraiment prévu cette opération, mais il fallait que je le fasse et ça ne se fait pas l'été, puisque c'est pas une opération qu'on fait l'été. Donc l'année prochaine, et puis je pouvais pas attendre l'année prochaine parce que là vraiment j'avais trop attendu. Mes jambes ça n'allait plus, il y avait vraiment beaucoup de problèmes au niveau de mes jambes et du coup bah je devais le faire, donc là c'était le moment de le faire et la chirurgienne ne travaillait pas cet été et ne travaillera plus après logiquement, d'après ce qu'elle m'a dit. C'est vraiment une super chirurgienne à Lille d'ailleurs et du coup bah je l'ai fait parce que c'était l'occasion, la chirurgienne était là, j'ai réussi à avoir des super rendez-vous, ils étaient efficaces, donc je l'ai fait et ma foi je suis contente de l'avoir fait, mais il me reste la deuxième jambe à faire encore au mois de juin, donc ça va me faire encore louper un petit peu en juin, les parents d'élèves sont au courant, tout ça, mais Ça me saoule un peu, mais pas le choix. Ma santé avant tout, et ça c'est le mot d'ordre maintenant cette année, j'ai décidé, depuis que j'ai eu des soucis et que vraiment c'était compliqué pour moi, j'ai décidé que ma santé passait avant tout. Bref, sur ce, vous avez vu, j'avais dit que j'avais été raisonnable ce mois-ci, et la fille, elle est passée à Aromazone. Ce magasin, c'est le mal pour moi, c'est le mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous faire un haul spécial à Aromazone, parce que vraiment, je l'aime trop. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez adoré certains produits dont je vous avais parlé. Donc là, j'aurai d'autres pépites à vous faire découvrir. Et je suis passée chez Nocibé pour acheter un cadeau pour un anniversaire. Donc rien pour moi chez Nocibé, même s'il y avait beaucoup de choses. J'ai pris des échantillons chez Nocibé de deux fonds de teint qui me plaisent. Le terracotta de Guerlain que j'ai envie de tester. Le fameux nouveau terracotta de Guerlain. Et j'ai pris l'eau de teint de Chanel. Moi je porte les beiges de Chanel et là c'est une autre référence qui ressemble mais qui est un peu plus couvrante, donc que je vais tester aussi. Donc ça c'est en miniature, j'ai eu des petits échantillons, voilà. Bon, après j'ai craqué juste chez Aromazone hein, pour moi, sinon c'était pour offrir, donc on va dire que c'était à moitié raisonnable, non? Bon, je vous montrerai ça dans une vidéo spéciale à Aromazone, je pense que je vais faire ça à côté parce que vraiment ça en vaut le détour. Et puis c'est tout, je retourne à mon repas. Dites-moi en commentaire si vous allez aller voir La Petite Sirène au cinéma. J'ai bien envie d'y aller avec ma fille parce que ce serait bien un petit kiff à faire toutes les deux entre copines. Mère-fille plutôt, parce qu'entre copines n'importe quoi. Et je vous avoue que le fait qu'elle soit métisse comme ça, bah, ça nous donne trop envie évidemment. Ma fille, je pense que ça va trop lui plaire, enfin j'espère. Donc je vais essayer d'y aller, mais dites-moi vous en commentaire si c'est un film qui vous attire ou pas du tout. Et je viens de voir un petit peu qu'il y avait une collection chez Kiko en collaboration comme ça avec La Petite Sirène. Et il y a des choses qui me plaisent bien, mais il paraît que c'est pas donné, donc je sais pas. Est-ce que je vais résister? Est-ce que je vais attendre la fête des mères? On ne sait jamais si mon mari regarde cette vidéo, non? Ça m'étonnerait. Mais ouais. On va voir si je résiste. Regardez-moi ce petit cadeau de ma Luna. Vous savez, mon ancienne élève Luna, avec qui maintenant je partage plein de choses. Elle m'a offert ce petit bracelet et de l'autre côté un autre bracelet. Elle m'a demandé d'être sa marraine de cœur. Je vous ai partagé l'info sur Instagram parce qu'on a fait des petits réels et tout ça avec Luna justement. Et ça m'a fait trop plaisir. J'étais vraiment émue de cette demande parce que oui, elle a déjà une marraine. Mais elle se sent plus proche de moi, je pense. On partage beaucoup de choses ensemble. Certes, elle a été mon élève. Je l'ai vue beaucoup
après l'année où elle a été mon élève, donc quand elle n'était plus mon élève, je l'ai vue beaucoup parce que je suis copine avec sa maman et forcément, bah, je voyais sa maman, donc je la voyais aussi. Hein, et on est assez proches et c'est vrai que bah, ça m'a fait plaisir, ça m'a touchée parce que c'est la première fois qu'on me choisit comme ça, comme marraine de cœur et que ça vient directement bah, de l'enfant. C'est pas les parents qui choisissent la marraine sur ce coup-là, enfin... Là, c'est elle qui m'a choisie et ça m'a fait plaisir. Et vous avez été nombreuses à réagir sur mon Instagram en me disant waouh, moi aussi j'ai vécu ça et tout ça, à me partager vos petits moments de vie aussi, que vous avez trouvé ça émouvant, que notre relation était trop jolie. Donc merci vraiment pour celles qui me suivent aussi sur Instagram pour vos retours, ça m'a fait trop plaisir. Et c'est vrai que c'est une sacrée relation. J'ai été chanceuse, j'arrive à développer de belles relations comme ça avec pas forcément des anciennes élèves, mais avec des ados, des jeunes filles comme ça, ou des enfants qui m'entourent. Mais c'est vrai que j'avais mon ancienne élève d'il y a 10 ans, qui s'appelle Sophia, où c'était un peu le même style de relation. Vraiment, j'étais très proche d'elle aussi à l'époque. Et là, bah, avec Luna, c'est un peu pareil. Et ça me fait super plaisir. Donc, voilà, je vous partage la petite info. Si vous n'avez pas vu sur Insta, donc elle m'a offert ce petit bracelet avec un petit t-shirt où il y a écrit marraine de cœur, qui est trop beau, qui est là-haut parce que je viens de le laver. Trop d'émotions. Oui, c'était racontage de live aujourd'hui hein, dans cette vidéo. Bon, sinon, je vais m'occuper de colis Vinted puisque j'ai eu pas mal de ventes et j'ai des choses à imprimer, à m'occuper, tout ça, à gérer. Ah bah tiens, j'ai encore un truc qui s'est vendu, trop cool. Donc bah, je vais m'occuper de ça et imprimer les feuilles, préparer les colis, comme ça ce soir mon mari va les emmener au relais. Je voulais aussi un petit peu ranger mon bazar sur mon bureau, parce que comme vous pouvez constater, ce bureau est toujours en bazar. J'ai reçu un colis d'ailleurs de la part de Cricut et je voulais aussi vous le montrer parce qu'aujourd'hui j'avais envie d'utiliser des choses Cricut. Donc j'espère que je vais pouvoir le faire parce que j'ai trop d'envie et pas assez de temps. On va essayer. En tout cas sur Cricut, vous savez, je vous en avais parlé, je voulais personnaliser une gourde comme ça que j'avais acheté chez Action et des verres avec le fameux vinyle qui réagit à l'eau froide, donc je l'ai acheté en prenant, donc il change de couleur quand vous mettez de l'eau fraîche à l'intérieur et il devient violet, donc là il est bleu et il devient violet quand vous mettez de l'eau froide, donc ça je voulais tester aussi avec vous aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir tout faire? Oui, Karine, elle va réussir à faire ça, elle va réussir. Dans le petit colis Cricut, on a des petits stylos pour la fameuse Cricut Joy. J'en avais qu'un, et non, j'en ai trois, je crois, mais c'est pas assez. Du coup, la marque m'a renvoyé tout un lot de stylos pour la Cricut Joy et les fameux papiers où on peut écrire dessus. Ça, je suis trop contente, ça s'appelle les Smart Labels. Avec ça, j'ai fait des étiquettes pour mes enfants pour leur anniversaire. Donc j'avais utilisé celui-ci, hein, si je ne me trompe pas, le version un peu comme ça, holographique. Et on peut les faire découper via la machine, hein, la Cricut Joy. Et vous pouvez donc écrire dessus avec les fameux stylos comme ça, indélébiles. Donc c'est trop trop bien. Donc là, ils m'ont envoyé trois couleurs, doré, holographique et argenté, je pense, celui-ci. Ah non, ça, transparent, tiens. Ah bah celui-là, ça va être marrant, ça, transparent, comme ça vous pouvez écrire des choses dessus, les coller sur les murs, enfin, c'est plutôt pas mal. Donc c'est autocollant évidemment, hein, ça découpe, on peut écrire dessus et c'est autocollant. Et la marque m'a envoyé aussi des thermocollants, comme ça thermotransfert, thermocollant, vinyle thermocollant, qui change de couleur aussi. Donc là pour mettre sur les t-shirts, les chaussures, pour mettre des dessins qui vont changer de couleur avec la chaleur, avec les UV. Et là, rose devient un peu blanc je pense, c'est ça? Ou le blanc devient rose. On a un autre, là, je crois que c'est le même style. Hein. Donc c'est des vinyles permanents. Ah non, là c'est du vinyle permanent. Ah mais tiens, c'est quoi la différence entre ça? Là c'est du thermocollant et là c'est du vinyle. Ah oui, ça c'est du vinyle, donc vous pouvez mettre sur les bouteilles et tout. Et ça, ça change aussi par le froid. Donc c'est la même chose que celui que j'ai là, mais en version bleue. Ah bah c'est trop cool comme ça. Moi j'ai acheté celui-ci et là c'est le rose qui se transforme en rose clair, en rose foncé, activé par le froid. Donc je vais pouvoir peut-être pour ma fille lui faire cette version-là, je vais voir là, je vais voir. Et sinon j'ai reçu aussi du thermocollant noir, tout simple, hein, que j'utilise très très souvent dans mes créations Cricut.
J'ai terminé mon petit Dior comme ça que ma copine Lily m'avait offert dans un swap, le Lip Maximizer. Je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout. Je l'aime beaucoup, j'aime pas l'embout, mais j'aimais beaucoup l'effet sur mes lèvres, très plump, avec cet effet un peu mentholé, qui rafraîchissait, qui pouvait piquer parfois, hein, attention. Mais moi je l'aimais beaucoup et j'ai pris du coup, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo haul, celui de la neige. Et vous avez été nombreuses en commentaire à me demander un retour. Est-ce qu'il est aussi bien que le pot la neige? Moi, je ne trouve pas. Je le trouve très bien pour glisser dans le sac à main, pour voilà faire une retouche comme ça dans la journée. Mais je pense qu'il n'est pas aussi épais et aussi doux, je trouve, que le vrai pot la neige. Pour moi, ça ne va pas remplacer celui que j'ai le soir pour, avant de dormir. Voilà, je voulais vous le dire. Après, je vais continuer à le tester et je vous en reparlerai. Moi, j'utilise dans la journée, c'est peut-être ça. Je ne l'utilise pas le soir parce que le packaging est vraiment très pratique pour la journée, pour glisser dans le sac à main. Ça prend pas de place, donc je voulais vous faire déjà un premier petit retour, mais dès que j'aurai vraiment vraiment terminé, je vous en reparlerai. Donc ça va aller à la poubelle et ça, je vais le remettre dans mon sac à main. Donc c'est vrai qu'il est hyper pratique, voilà, prend pas de place, c'est très bien. Voilà, mon bureau est enfin rangé, ça fait du bien. J'ai tout rangé, tout ce qui était les livres et tout dans ma bibliothèque. Là, j'ai fait tout un espace pour ma classe parce que j'avais plus du tout de place pour mettre les livres de ma classe. Donc il y a des livres de la marque Ebla Edition, des livres de la marque. D'ailleurs, je vous en ai parlé sur mon Instagram de la marque Clap, comme ça, Clap Edition, un livre où ça permet d'apprendre les tables de multiplication de version musicale. Là, il y a un rallye lecture que je dois faire, donc voilà, tout est là. Du coup, je vais sur mon iPad pour trouver l'application Cricut. Comme ça, je vais commencer à regarder un petit peu ce que je peux faire comme design sur la gourde ou sur les verres. J'ai des petites idées, mais je vais quand même regarder. Hop, je vais taper dans l'onglet recherche, comme ça, des fois, ça donne des idées. Donc, gourde, il trouve rien. Et évidemment, on va regarder eau. Peut-être sur eau, si je tape eau ou water. En français, en anglais, ça fonctionne, voilà. Il y a des petites idées ici de petits designs pour ma fille. Je vais voir ce que je vais lui trouver. Ah bah voilà, vous voyez, il y a des gourdes. Water bottle. Voilà, c'est trop sympa. Et donc là, vous pouvez choisir les... Love. Ah, trop bien. Donc ça, c'est en version anglaise. Après, vous pouvez les personnaliser en français, évidemment. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, ça permet de trouver plein de petites idées là sur leur onglet comme ça. Regardez le petit cœur comme ça, ouais. Moi c'est ce que je voudrais faire, un truc assez simple pour ma fille avec des petits cœurs et comme ça quand elle boit, ça me plaît bien celui-ci. Donc comme ça quand elle boit, elle verra tout ce qu'elle a bu, tout ça, ça peut être pas mal hein, sous forme de graduation. Donc je vais regarder ce que je vais faire et je vais lui préparer. We'll be right back.
m'a pris grand max 10-15 minutes, quoi. Alors, je pourrais rajouter un petit cœur coloré. J'aurais pu faire le cœur d'une autre couleur, parce qu'à la base, je pense que le modèle, c'était ça. Hein, c'était un cœur coloré. Mais moi, je voulais faire que d'une couleur. Mais j'aurais pu faire le cœur d'une autre couleur, puisque j'avais en version bleue. J'aurais pu le faire. Bon, après, ça m'aurait demandé, du coup, de faire deux fois plus de trucs. Donc, j'ai mis Kayla en transparence ici. Et en dessous, le water que j'ai pas voulu cacher. C'est pour ça que j'ai arrêté les bandes avant. J'ai mis le Kayla ici aussi. Comme ça, deux fois Kayla. Je pense qu'elle va être trop contente. On va tester tout de suite en mettant de l'eau fraîche à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Mais écoutez, c'est trop mignon, c'est trop sympa. Et c'est une idée cadeau qui coûtera pas cher du tout. Qui est utile aussi. Alors, je sais pas si vous aurez vu le dégradé, mais c'est devenu rose, du coup rose plus foncé, un petit rose fuchsia trop mignon. C'est trop beau. Honnêtement, je pense que je vais aller m'acheter une gourde et je vais aller m'en faire une. Alors, peut-être pas avec le même motif, hein, mais vous voyez le rendu, c'est trop 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 beau. Sachez que moi, j'avais fait une tasse la dernière fois dans un vlog. C'est celle-ci. Et regardez, j'ai fermé la porte pour moins de bruit. Donc, je vous disais que cette tasse, je l'ai passée au lave-vaisselle et non au sèche-linge. Que je l'ai lavée plein de fois, hein, que j'utilise régulièrement. Et ça n'a pas bougé. J'avais peur qu'au lave-vaisselle, ça s'enlève, hein, parce que ça reste du vinyle. Du coup, c'est une texture. C'est pas imprégné dans la tasse comme ce que je fais d'habitude sur les tasses blanches. Là, c'est, on le sent, hein, quand on touche avec les mains. Mais ça n'a pas bougé. Donc, je pense que pour que ça s'enlève, il va falloir y aller. Hein. Donc, je vous le dis. Donc là j'ai lavé la gourde, j'ai mis de l'eau fraîche, c'est devenu donc rose fuchsia et je vais la remettre au frigo, comme ça ma fille elle aura la surprise ce soir, mais c'est trop canon. Bon, après un petit cappuccino, j'en vais passer à mes trois verres. Finalement je vais faire des verres à smoothie. Parce que Morito, j'en porte pas spécialement de temps en temps, hein, mais des verres à smoothie, je me dis que ça peut être cool pour les beaux jours. Donc j'ai pris un modèle qui était sur Cricut, là, le fameux point où on peut, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, Cricut Access, je crois, Access. Donc là, je vais faire, vous allez comprendre pourquoi il y a que la moitié d'un mot, etc. Donc je vais faire d'abord en rose, et après je vais faire sur le vinyle qui est un peu bleu et violet. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, on lance la petite découpe, j'espère que ça va le faire. Je vais donc choisir vinyle permanent et lancer la découpe. Hop là, il vérifie toujours d'abord la taille. Oh, il y a mon mur derrière, et donc la taille, si c'est bon, donc c'est bien le plateau que j'ai mis de la bonne taille. Et là, il va être prêt à lancer la découpe, il suffit d'appuyer sur le petit play. Let's go! Allez, j'ai fait la deuxième tournée en bleu avec certains éléments. Je vais écheniller tout ça. Je vais mettre du papier transfert, hein, vous avez vu tout à l'heure. Hop, je le cherche, il est là. Donc, je vais mettre du papier transfert pour pouvoir le transférer sur mes fameux verres. Et puis, je vous montre le résultat. Awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Résultat,
le petit rose, smoothie fraise ou voilà cerise, le petit bleu qui va se transformer en violet quand on va mettre du froid dedans avec des mûres comme ça et un citron et bah, bleu et rose hein, parce que voilà, je ne savais pas quoi choisir. Le petit couac, c'est qu'ici j'ai pas fait attention, il y avait la majuscule, bon j'aurais dû l'enlever, mais sinon j'aime trop les dessins, ils sont trop canons. Donc avec un petit smoothie à l'intérieur, une petite paille, c'est très sympa, je trouve, à servir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont être trop beaux, ils vont changer donc de couleur quand on va mettre du froid à l'intérieur. J'ai fait un peu de tri tout à l'heure dans mon étagère et du coup j'ai mis des petites choses que je vais vendre sur mon Vinted, des trucs Harry Potter d'ailleurs hein, en dessous, des livres, ce petit lapinou. Sinon je vais peut-être demander à Laetitia si elle l'intéresse pour sa classe, mais sinon voilà, j'ai encore fait un peu de tri, ça va rejoindre mon coffre de tri. Pour la fête des mamans, on est en train de préparer avec mes élèves, enfin dès que je vais revenir en classe, on va préparer des petites choses avec ça. Je sais pas si vous voyez, ça vient du magasin Toto à Lille. Avez-vous une idée de ce qu'on va faire avec ça? Bon, je suis trop contente de mes créations du jour. Là, vraiment, le vinyle comme ça qui change de couleur, c'est trop une belle révélation. Vous faire des cadeaux et tout, c'est trop bien. Mes enfants vont bientôt rentrer. Donc, mon mari est parti les chercher, donc ils vont bientôt arriver. Je vais conclure ce vlog, cette journée avec moi. Et puis, on se retrouve comme d'habitude le mercredi et le samedi. Et sinon, on se retrouvera aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas. Ah oui! Avant tout ça, je vais quand même faire le tirage au sort, comme ça je vais vous dire tout de suite la gagnante. Donc je vais me mettre sur les commentaires liés à ma vidéo haul et unboxing, celle qui est sortie la semaine dernière. Donc il y a pas mal de petits commentaires, je vais donc au hasard, je vous montre. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va relancer un concours juste après. Allez, on relance puisque ça n'a pas fonctionné. Hop, hop, hop. Ça s'est ouvert tout seul, regardez-moi, c'est Edith qui va donc gagner. Donc Edith, contacte-moi par mail. Je remets mon petit mail en bas de l'écran, comme ça tu peux me contacter par mail. T'as bien utilisé le mot kiss dans ton commentaire, donc c'est parfait. En plus, tu m'as fait un petit commentaire bien sympa. Donc c'est une fidèle d'ailleurs, Edith, ça me fait plaisir. Et tu as remporté le lot que j'ai présenté dans ma vidéo de la semaine dernière. Et comme je vous ai dit, on va faire un petit lot encore aujourd'hui. Dans ce petit lot du jour, je vais vous mettre des produits Cricut. Je pense que je vais mettre 2-3 petites choses Cricut, de la papeterie et quelques produits de beauté. Comme ça. Pareil, je vous fais un lot surprise. Je vais préparer ça parce que j'ai pas regardé, mais j'ai des petits trucs Cricut en plus. J'ai alors bien sûr, il faudra me préciser si vous avez une Cricut ou pas. Sinon, je vous mettrai que de la papeterie et des soins et tout ça, du make-up. Comme ça. Il y en aura pour tous les goûts. Mais dans les commentaires, je vous invite à mettre le mot magique smoothie. Oui, parce qu'on a fait des verres à smoothie. Hein, on a fait des verres à smoothie. Donc, dans le mot magique, c'est smoothie. Mettez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous me direz ce que vous avez pensé de ce vlog sur une journée. Voilà, en mode chill, tranquille. Et à la maison, sachant que j'ai fait quand même une longue pause où je me suis allongée pour mes jambes. Et là, je vais y retourner après. Hein, dès que mes enfants vont être là, je vais aller m'allonger avec eux. Comme ça, on va faire des câlinous. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires comme d'habitude. Bravo à Edith pour d'avoir gagné ce lot. Et j'ai hâte de lire vos commentaires un peu sympas avec le mot smoothie. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut! Allez, elle est prête, la sorcière, pour aller. Vas-y, regarde. À moi, la fête.